music makes good people. Moi, ça fait longtemps que je vous suis. Je vous ai vu il y a 6 ans maintenant, au Botanique. À ce moment-là, au Nuit Botanique, à ce moment-là, on avait l'impression que vous n'étiez pas toujours à l'aise sur scène. Que, je vais pas dire que c'était... Je vais pas dire que c'était une corvée, mais on sentait que parfois, il y avait un peu de souffrance. Et au plus je vous ai vu vous ouvrir telles des bulles d'amour et telles des papillons. Est-ce que vous avez, vous aussi, enfin, depuis le début, au tout début, c'était un peu compliqué de faire de la scène et puis progressivement, c'est devenu un véritable plaisir? J'ai oublié, moi, il y a 6 ans. Mais ouais. Je crois que l'idée générale, c'est qu'on a quand même progressé. Ouais. Oui, bah, heureusement, ouais. Mais il y a 6 ans, qu'est-ce qui s'était, comment ça? Non, mais je dis, il y a 6 ans, j'aurais pu dire il y a 10, mais je veux dire, on a la présidence de... Au fur et à mesure qu'on vous a vu en concert, on vous a vu, j'allais dire, prendre du plaisir sur scène, plus vers la fin, plus vers aujourd'hui. Non, c'est vrai, non, on a commencé, on était vraiment très mauvais. Ouais. Non. Mais c'était il y a longtemps, donc on a fait en sorte d'avoir une très grosse marge de manœuvre. Mm-hmm. Et, on a commencé très bas, ouais, pour aller. Non, mais quand on a commencé à faire de la musique, notre idée principale, c'était de faire des disques. Mais peut-être parce qu'on était dans un endroit, à Versailles, où il n'y avait même pas de salle de concert. Donc l'idée de jouer en live, c'était une idée un peu exotique. Enfin, on a pris les choses un peu à l'inverse de ce qui se fait d'habitude, je crois. Ouais, parce que l'histoire de la musique, dans l'histoire de la musique, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de scènes avant, par exemple, de sortir leur premier album. Voilà, nous, c'est l'inverse. On a commencé. La première chose qu'on a fait, c'est d'acheter un magnéto. C'est pas d'acheter une batterie pour jouer ou quoi. Donc, ouais, c'est un autre parcours. Mais qui fonctionne aussi au final. Je crois que ça peut marcher. Puis surtout, on n'avait pas le choix. On a fait ce qu'on avait à faire. Et en festival comme ici, c'est aussi un plaisir. C'est aussi un endroit où vous vous sentez comme si c'était à la maison, ou bien parce que vous partagez la scène avec pas mal d'autres personnes, c'est peut-être pas que votre public. Est-ce qu'il y a une attitude différente, un plaisir différent? C'est ça qui est bien, c'est que justement ce soit pas, c'est pas, enfin, c'est jamais gagné d'avance, mais là ça l'est encore moins, et c'est agréable aussi de voir d'autres musiciens, en fait, parce que on se sent un peu enfin, tourner toujours seul, on fait de la musique, mais on fait pas partie de... C'est agréable de voir d'autres groupes, surtout des bons, en fait. Voilà, donc, cette année de festival, il y a plein de bons groupes qui tournent. Il y a plus de bonne musique qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'ai l'impression. Enfin, nous, en tout cas, on voit plus de bons groupes. Que le niveau a augmenté? Au niveau général, c'est selon nous, hein, mais juste il y a beaucoup de groupes en ce moment qui sont des bons groupes. Ouais. Alors, on en parlait juste avant que vous arriviez, on en parlait cet après-midi, on est allé voir un peu sur internet, etc. Et on s'est rendu compte à quel point vous étiez des stars aux États-Unis. En tout cas, qu'il y avait vraiment une réponse importante du public américain. Parce que vous avez gagné un Grammy Award, je pense, pour meilleur album alternatif. Il y a le Hollywood Bowl, c'est quoi? C'est 30 000 personnes. C'est bientôt, septembre. Ça. C'est en septembre. Oui, mais c'est pas du petit cancer. Non, c'est ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Et comment vous expliquez ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui veulent aller réussir aux États-Unis, et puis vous, ça a l'air de se passer tellement beaucoup tellement bien. Beaucoup d'appels, peu d'élus. En effet. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Mais on est content. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment aucune idée. Quand on a sorti le disque, avant même de sortir le disque, on a joué à Saturday Night Live, qui en fait, on se rendait pas compte à l'époque, mais a beaucoup d'impact. Qui est un peu le au quotidien américain. Voilà, j'imagine. Oui, l'émission de RTBF au quotidien. Je n'ai pas la télé. C'est un peu ça. Et ça a déclenché quelque chose. Et ces gens-là ont découvert notre musique en la téléchargeant illégalement sur Internet. Donc, nous, on aime bien cette histoire, elle est bien. Tout à fait. Ça s'est passé comme ça. Donc, on ne sait pas exactement, après, tout s'est enchaîné. Oui, parce que je voyais, il y a un post qui dit « By popular demand, American tour dates added ». Donc, ça veut dire, visiblement, il y a une demande. Il y a des gens qui vous ont demandé. Vous avez rajouté encore des dates à la tournée. Oui, c'est dur de... Enfin, quand c'est des lieux comme le Hollywood Bowl ou Madison Square Garden, c'est des endroits où on a envie de jouer. Donc, on ne dit pas non, en fait.
Voilà, ouais, on le fait. Je vais faire une ellipse par rapport à ce que vous disiez juste avant. Vous, petit groupe à Versailles, dans une petite chambre avec un petit magnéto, etc. Et vous, Hollywood Bowl, qu'on voit dans un épisode de Columbo d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et... un des meilleurs épisodes. Ah, il est bien celui-là d'ailleurs. Je me demande si c'est pas John Cazavetes qui joue le rôle du méchant. Si, tout à fait. Ah, oui, possible, ouais. Exactement. Oui, enfin bon. J'ai fait le malin, après je suis tout troublé parce que les gens comprennent ma référence. Et donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'à un moment donné, parfois, vous avez le temps de vous arrêter deux secondes en vous disant waouh, enfin, Madison Square Garden, waouh, Hollywood Bowl, Versailles, machin. Ouais, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Enfin, quand on arrive et que la salle est vide et qu'on fait les balances, déjà on pense qu'il n'y a absolument aucune chance pour que les gens viennent, que ce soit rempli. Il y a encore cette impression-là. Mais vaut mieux, de toute façon, vaut mieux que ce soit comme ça, parce qu'on est qu'agréablement surpris si on part de ce principe. Mais donc voilà, et puis ça se remplit, pour l'instant ça se remplit. Et après, c'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine. En plus, c'est intimidant, mais c'est... au final, c'est des moments qu'on garde. Enfin, c'est des choses qu'on peut raconter à nos petits-enfants. Enfin, tu vois, quand on sera... Voilà, c'est des moments comme ça. Et la suite maintenant pour Phoenix, parce que l'album, vous êtes encore en train de le tourner. Vous êtes déjà en train de penser à après, ou c'est une bonne pause bien méritée, parce que j'ai l'impression que les concerts s'enchaînent depuis un bon moment. Il y aura la BO du film Somewhere déjà. Ouais, qui est fini. Donc ça, c'est... on a fini en janvier. C'est le prochain film de Sofia Coppola qui est la compagne de Thomas. Exactement. Voilà. Et donc ça se passe, c'est un film qui se passe aux États-Unis et qui se passe justement de ce fameux hôtel qui s'appelle le Château Marmont. Ah oui. Et c'est vous qui avez signé la musique. Je crois, il n'y a pas R aussi dessus ou Non, on a réussi à les évincer. Non, il y a assez peu de musique dans ce film. Ouais. Et nous on a offert nos... Enfin, on a... Mais c'est très minime. Hein. C'est ouais, très c'est minimal. Minimal, c'est très minimal. Mais oui, ce qu'on retrouve sur vos albums habituellement. Non, c'est... Enfin, je ne sais même pas si vous pourrez entendre en fait ce qu'on a fait. Parce que c'est plus un travail d'ingénieur du son qu'un travail de compositeur. Mais bon, si vous... Enfin, voilà, c'est un mélange... C'est un travail d'ingénieur du son en plus. Ouais. Mais je comprends pas, j'y connais rien en technique. Non, techniquement c'est même pas vraiment des chansons, c'est plus des sons quoi. Oui. Mais nous on adorait. Quand vous avez sonorisé le film, on peut dire ça comme ça. Non, imaginons il y a l'acteur principal arrive dans une pièce. Par exemple, on va mettre un son de synthétiseur qui va créer une petite tension dramatique. Ça veut dire que ça sortira pas vraiment en disque ou c'est impossible. Pas. On aimerait, mais ça serait des... je pense que les gens nous en voudraient beaucoup. mais on adore se mettre au service de quelqu'un d'autre. Donc là, on a très humblement, on était très heureux de faire ça, de juste mettre une note. Si on pouvait faire ça dans nos disques, c'est ce qu'on ferait. Quoi, ça irait plus vite. Ça irait plus vite, et puis il y a cet esprit japonais minimal qui nous plaît beaucoup. En concert, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ah, il y a un public pour ça, mais... Oui. Sur la grande scène de Werther, c'est pas certain que ça passe. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous. Le groupe Phoenix. Bon concert dans les mois à venir. Merci. Good music makes good people.